أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Au cœur de la modernité. À l'Orient comme à l'Occident, notre époque donne naissance à la plus grande famine jamais constatée sur la terre. La torture des corps fait écho à la souffrance des âmes. Les corps et le cœur ont faim d'humanité. La pauvreté, l'errance, les dictatures, les guerres bafouent chaque jour plusieurs milliards de femmes et d'hommes. La solitude, l'individualisme, la misère morale, le manque d'amour rongent l'être de tous, ce que le confort devrait contenter. Où est la voie? Où allons-nous? Comment être une femme? Comment être un homme aujourd'hui? Comment, au cœur de cette tourmente, répondre à notre cœur et protéger la spiritualité qui nous fait être? Comment, sur les ruines de tant de déséquilibre, enfanter l'équilibre et l'harmonie qui apaisent les cœurs? Comment rester fidèle au pacte de l'originel, car la modernité nous rend si infidèles à notre humanité? Mémoire du premier matin. Quand ton Seigneur tira des reins d'Adam sa descendance et les fit témoigner, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Certes, nous en témoignons. » Ce témoignage qui vit au plus profond des cœurs, qui nous parle et nous appelle. Notre cœur est notre espoir, la spiritualité est notre chemin. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Cherchez au fond de soi la force de voir vraiment, être avec Dieu pour lire ses signes, vivre de son souvenir pour s'emplir d'humanité, donner à la nuit sa lumière et prier à voix haute dans un infini silence. Nous allons faire descendre sur toi une parole de grand poids. La prière du début de la nuit laisse une empreinte plus forte et permet une attention plus soutenue. Tu as, dans la journée, de nombreuses occupations. Invoque le nom de ton Seigneur. Consacre-toi à lui de tout ton être. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a de Dieu que lui. Donner vie à son cœur est difficile, tellement. Le quotidien du monde nous vole en nous-mêmes, au point parfois de rendre double notre personnalité et de nous déchirer. J'ai ce souvenir, si présent à mes yeux, une image en Tunisie, en Égypte, en Inde, aux États-Unis, en Europe, à l'Orient comme à l'Occident. Vendredi, jour de semaine, le déchirement du monde musulman est là. La foule, la communauté,
la ferveur, l'espoir et les meilleures intentions. Le plus beau jour de la semaine, le jour de tous les symboles, le sermon, le rappel du sens, les yeux mouillés, les larmes du cœur. Le monde de l'islam vibre en cette fin du 20e comme au début du 7e. Dieu est témoin de cette force de la foi. Vendredi, les mosquées se penchent, les rues sont mosquées, la terre est mosquée. La Ouma est là, le pauvre et le riche, l'informaticien et l'analphabète, témoin du même témoignage et un chant la même soif. Samedi, dimanche, lundi et le reste, 5h du matin, midi ou 4h. Le sommeil est lourd, les occupations préoccupent. Tant de silence vendredi, tant de mots les autres jours, tant de vérités, puis tant de mensonges, tant d'espoir, puis tant de plaintes, tant de volonté, puis tant de paresse. Il y avait la mémoire, il reste l'oubli, il y avait tant, il reste si peu. Jour de semaine, le quotidien a ses raisons qui ont raison de notre infidélité. Notre époque est une torture. La spiritualité est une épreuve. Vendredi est jour de semaine. La blessure est profonde. D'aucuns, observant les vanités de ce monde, emprunteront les voies de la mystique. Loin du monde, loin des ambitions, loin des conflits. Nourris à la lumière de la seule lumière. En Occident, on a même considéré que tel était le véritable islam. L'autre islam, c'est lui qui force le respect quand il est un islam qui agresse les esprits. Il faudrait vivre loin pour vivre mieux, de laisser les hommes pour s'approcher de Dieu. Notre époque semble donner raison au sens de cet exil. Les soufis, par leur contemplation, par leur exil intérieur, par leur éloignement du monde, ont suivi et suivent encore l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui passait des nuits entières en prière, à recueillement, à embellir sa mémoire, à approfondir sa connaissance, à parfaire son adoration. Les larmes de la méditation faisaient apparaître les signes de l'univers, la présence du sacré. Il y a de la création des cieux et de la terre, de la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ceux qui se souviennent de Dieu, debout, assis ou couché, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Au cœur de notre quotidien agité, noyé dans les occupations les plus envahissantes. Faire un pas en arrière, s'exiler au centre de soi, chercher la force de sa mémoire, aimer et reconnaître, remercier et prier dans le bruit, chercher le silence et vivre avec force le sens de ces mots, soit sur la terre comme un étranger ou un passant. Cette spiritualité est la nôtre, avec ses exigences également, au cœur de notre quotidien. Il s'agit de ne rien nier de notre être, ni notre corps, ni notre esprit, ni cette vie, ni l'au-delà. L'épreuve de la spiritualité est l'épreuve de l'équilibre, la voie du juste milieu et la voie de toutes les difficultés. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.